Yo les papetons, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'était sur Gmod. J'étais tout simplement en live et je faisais le métier de GIGN. Au début j'étais juste GIGN et finalement c'est parti en couille, j'étais négociateur d'une prise d'otage. Je vous laisse regarder, laisse un commentaire et laisse un like si t'as kiffé comme d'habitude. Peace. Écoutez-moi, je vais monter si vous avez pas. Je monte. Ouais, monte-toi parce que moi j'ai pas de tracker et Je dois vérifier quoi? Bah tu vérifies que c'est pas une prise d'otage, tu demandes bien okay. S'ils sont pas des otages et... Ok, très bien. S'ils veulent te prendre en otage, et bah si t'as pas de radio, on va intervenir. Ok, très bien. Par contre, le problème, c'est que je suis sûr que c'est une prise d'otage, hein. Oui, moi aussi, je suis sûr, mais... Non, je vais monter. Bah, monsieur... Monsieur, oui, il faut que je monte vérifier. Personne passe. Ouais, bah, vous avez raison, c'est une prise d'otage. D'accord. Et pardon pour le dérangement. D'accord, c'est... Donc vous me dites que là, c'est une prise d'otage. D'accord. Ouais monsieur, là il y a deux otages en haut, tu vois, il y a deux otages. Là il dit qu'il y a deux otages. Là il dit qu'il y a deux otages. D'accord. Il a dit quoi? Alors je vais enlever mon arme, je vais venir les voir là-haut et on va négocier, savoir ce que vous voulez. Attends, fais rien. Je vais monter, je reviens. Ok, voilà. Il monte, il revient. Tu vois si les otages vont bien, tu dois de négocier le prix. Hein, t'es ah bah ouais, de ouf, je vais jamais leur donner ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, attends, voilà. Là, t'as compris ce que je veux dire? Oui. C'est bon, vous êtes. J'ai plus de moyens de communication, les gars, stop. Quelqu'un derrière toi. Recule. Recule, okay. Recule. Il le ligote, il le menotte, il prend ses armes. Bah oui, mais c'est eux qui l'ont mis comme ça. Moi, je voulais pas mettre comme ça. Si tu peux le supprimer, moi, je vais le faire moi. Coupure des communications, je peux plus communiquer. S'il y a quelque chose, tu vois. Ok, il peut plus communiquer. Je vais le faire le périmètre. Voilà, parfait. Attends. S'il te plaît, on te le met. Non, je t'ai menotté, ligoté, pris vos armes, vos moyens de communication. Pas de soucis, monsieur. Je t'ai pris ta radio, d'accord? Aucun problème, monsieur. Rentrez pris ta radio, monsieur. Oui, pas de soucis. Je cherche par où il ouvre. J'attends juste 5 minutes. S'il ressort pas dans 5 minutes, on intervient. Je les entends stresser en fait, c'est horrible. C'est j'entends mes collègues stresser si je reviens pas dans 5 minutes. Non, regarde pas la fenêtre. Ils ont caché les otages. Je peux pas leur parler, tu vois. Viens. Non, attends, il est quelle heure? S'il y a 25 ans, s'il est pas revenu. C'est quoi le code? Il connaît pas le code, mais putain, il connaît pas le code, ils vont se faire buter. Ouais. 4, 5. Je peux pas communiquer mais je connais le code d'en haut. Bah venez rentrer. Oui, bonjour. Tu vois c'est ça, lumière là, c'est des otages. D'accord, messieurs, comment allez-vous? Au niveau de la santé, comment allez-vous? Jean-Bernard, je t'ai demandé de faire des un petit peu mal. D'accord, très bien. Nourrissez-les. Voilà, une pizza. Une pizza kebab, hein. Ah, une pizza. Monsieur, j'ai une avec les juste à vous dire. Vous tentez une seule chose, monsieur, les otages sont abattus. Bah, moi, je sais pas. Pas de soucis, monsieur. Pas de soucis, j'ai aucun problème. Vous allez me dire ce que vous voulez. Attendez deux petites secondes, monsieur. Oui, donc, quelles sont vos revendications et qu'est-ce que vous voulez en échange de ces deux otages? Bah, monsieur, je vais laisser mon copain. Monsieur, vous devriez me répondre assez vite. Monsieur, 2000 euros par tête, d'accord, 2000 euros par tête, ça va pas être possible. Je peux vous en donner. 2000. Je peux faire 1000 euros. Je peux faire 1000 euros par tête, maximum. Mais c'est moi qui négocie ou toi? Mais moi je t'ai dit 2000 euros, bah monsieur... c'est moi qui alarme, alors c'est moi qui décide. Oui mais c'est pas parce que vous... là on n'est pas chez l'offre et la demande, vous avez peut-être une arme, vous menacez des potentiels otages. Mais par contre moi je peux pas vous offrir plus que je n'ai. Je peux vous donner jusqu'à 1400 euros par tête, monsieur, uniquement. Monsieur c'est bon, okay. 1000 euros par tête c'est bon. Ok très bien, 1000 euros par tête. Faites-moi sortir maintenant, en revanche si vous voulez que ça aille vite et que ça se passe bien. Monsieur, je sais bien que vous allez assaut, monsieur, à un moment ou à un autre. C'est pour ça que quand vous êtes rentré, monsieur, je vous ai prévenu que si vous que vous faites un assaut, les deux otages sont abattus. Pas de souci, aucun problème. Sauf qu'on m'a coupé tous mes moyens de communication, donc je peux pas en informer mes supérieurs. Cherchez l'argent et après on va parler, d'accord? Pas de souci, je vais. Et après on va parler. Faites-moi sortir. Comme si t'abuses. J'ai négocié à 1000 par tête. Je ne forme en plus.
J'ai le code en plus, j'ai le code de là-haut. Là, monsieur, attendez. Oui, pas de soucis. Attends, je vais me remettre des minutes. Sortir, laisse-le sortir. Allez, sort. Bon les gars, c'est bon. Alors, au début, il voulait 2000 par tête. Finalement, j'ai négocié à 1000 euros par tête. Donc, 2000 en tout. Et en fait, il m'a dit que si on donnait l'assaut, il sait qu'à un moment donné, on va forcément donner l'assaut. Donc, s'il a dit que le moindre premier mec qui rentre, il tue les deux otages. En revanche, j'ai grillé les codes parce qu'il l'a demandé à son collègue parce qu'il le connaissait pas. Et le code d'en haut, c'est 745. Je sais pas si c'est pareil en bas. Ok, bon, tiens, je vais te donner l'argent. Tu vas dire, monsieur, on va. Tu dis, tu libères l'otage, tu dis, ouais, et après, quand on aura libéré l'otage, tu dis, monsieur, vous savez qu'on va donner l'assaut, monsieur. Ouais, carrément, vas-y. Par contre, y'a un mec qui se planque là à côté, là, je sais pas qui c'est, mais. Qu'est-ce qu'il y a de chez toi ? Tiens, bouge pas, je te donne l'argent directement. Vas-y. Alors, donnez. Salut Love Merguez. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ok, parfait, c'est bon. Toi, vas-y. Par contre, l'admin qui vole, c'est une desk-lock. Vous me reprenez les moyens de communication ou vous me les laissez? C'est là-bas, c'est un mec là-bas. Monsieur, vous moyens de communication, monsieur, attendez, prenez vos problèmes. Non, mais n'y va pas, y'a des unités pour ça. Que tout se passe bien. Ok, j'ai plus de communication. Ok, à tout de suite. Sound muted. Je suis obligé de couper les communications de toute façon. Putain, mais quand je rentre dans ça à chaque fois là. Voilà messieurs, alors messieurs, comme convenu, j'ai l'argent. En revanche, je vais vous demander de bien vouloir diriger les deux otages vers déjà la sortie. Et je vous donnerai l'argent une fois qu'ils seront ici, au moins derrière. Monsieur, oui. Attends, quoi? Attendez une minute. Quoi? Salut Nasser Algérie, ça va quoi? J'ai demandé l'argent et t'as pas rendu le. Attends, fais rien. Je t'ai pas dit les conditions, je t'ai pas raconté les conditions moi. D'accord. Alors, ce qui se va passer, tu vas me donner 1000 euros. D'accord? Oui. Mais ce qu'on va faire, on va prendre les deux otages à la banque. Non. Là par contre ça marche pas comme ça en fait. Monsieur, à la limite, écoutez-moi, à la limite. Ce qu'on peut faire, c'est que je vous donne 1000 euros, vous me donnez un otage, et vous gardez un otage pour aller jusqu'à la banque. Non, monsieur, moi je repartirai pas sans otage. Si je ressors pas, il vous donne l'assaut. Si jamais vous m'écoutez pas, faut qu'on trouve un terrain d'arrangement. Attends. Est-ce que tu veux que je te donne mon arme et tu vas à la place? Est-ce que tu veux ça toi? Non. Ah bah c'est moi qui décide. Non. Alors. Ok, vous décidez. Mais moi je suis allé chercher de l'argent. C'est pas pour rien. Donc soit vous sortez au moins un otage, soit vous sortirez jamais. Vous avez dit un truc, l'assaut, je sais pas quoi. Si vous lancez un assaut, je tue les otages et je me suicide avec. Moi, je suis un terroriste. D'accord? D'accord, très bien, monsieur. Mais par contre, moi, je vous assure que je pourrais pas ressortir de ce bâtiment sans otage. Il me faudrait au moins un otage sur les deux. Attends. Ouais, c'est ça, attends. Ouais. Alors? Et je te jure, parce que. Alors, ce qu'on va faire, tu vas me payer 1000 euros, on va prendre les deux otages à la banque, à la porte du banque, on va laisser un otage partir, on va faire entrer un otage. Non, toujours pas. Non, je suis toujours pas d'accord. Là, je vais te donner 1000 euros, et je vais descendre, avec un otage. C'est qui? Tu vois, pourquoi le tuer alors que me le donner te reviendrait au même? Pourquoi le buter alors que me le donner reviendra au même? Et ça t'arrangerait même puisque j'accepterais que t'ailles à la banque. Alors que là, si tu tues un otage, tu sais très bien qu'il y a l'assaut, tu y gagnes rien du tout. Alors que si tu me laisses un otage, repartir avec un otage, tu repars avec un otage à la banque et t'es tranquille. Je vois pas où est le problème. Non, je prends deux otages avec moi, d'accord? Mais pourquoi deux otages? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas allé chercher de l'argent pour rien. Parce que je veux, parce
C'est mes otages, c'est pas tes otages, d'accord? Monsieur, j'ai fait un compromis. Je vais vous chercher vos 2000 euros. Là, si je veux buter un otage, je peux le buter. Bah ouais, mais moi je veux sortir un otage, tu vois. Si. C'est mort. Attends, chute, toi, chute. Alors là, je veux partir avec les deux otages. Sinon, ça va mal passer. Non, moi je veux partir avec un otage, sinon ça va mal se passer, en effet. Je veux partir au moins avec un otage. Faites une part de votre contrat, je fais une part de mon contrat, faites une part de votre contrat. Moi je t'ai dit, je suis un terroriste. Je peux me suicider n'importe quel moment. Bah alors si vous êtes un terroriste, il n'y a pas de négociation, pourquoi vous cherchez à aller à la banque et à gagner de l'argent? Je comprends pas. Bah monsieur pour... regarde, c'est des citoyens là, c'est des pauvres citoyens là. Est-ce que tu veux qu'ils meurent? Moi, je veux sortir avec un otage. Si je ne sors pas avec un otage, il n'y aura plus de négociation, monsieur. Ouais, gamer anonymous de ouf. Alors, monsieur, là, t'as commencé à me casser un peu, tu vois. Alors, non, moi, je fais des compromis, vous en faites pas, je vois pas pourquoi vous en faites pas. Hey, tu vas me donner 1000 euros, on va partir avec les deux otages à la banque, je vais te laisser un otage à la porte du banque qui va partir, et on va rentrer avec l'autre, d'accord? Non, pas d'accord. Et là-bas, il y aura des nouveaux conditions, d'accord? Non, toujours pas d'accord, pas de nouvelles conditions. Attends. Il n'y a plus de négociation possible à ce moment-là. Monsieur, vous avez des enfants. Monsieur, vous avez des enfants. Oui. Vous voulez les revoir, monsieur? Oui, mais en revanche, je ne baisserai pas mes armes devant vous. Vous n'êtes pas en moyen de négocier, monsieur. Si, je suis en moyen de négocier parce que je suis en moyen de négocier. Vous n'êtes pas en moyen de négocier, monsieur. À partir du moment où j'ai rempli une de mes conditions, vous devez remplir une des vôtres. C'est-à-dire libérer au moins un otage sur les deux. Je n'irai pas plus loin, réellement. Pardon, monsieur? À partir du moment où j'ai rempli une de mes conditions, vous devez remplir une de vos conditions, c'est-à-dire me laisser sortir avec un otage. Je n'irai pas plus loin. Attends, on va aller que j'ai fait un gros. Est-ce que vous êtes d'accord de donner 1000 euros et on va à la banque et je te laisse un otage. T'es d'accord? Non, je suis pas d'accord. Bah d'accord. En fait, ton arme, ce que je veux, je crois qu'il a pas, je crois que vous avez pas compris. Non, mais tu peux tirer. Au pire, il y aura l'assaut. Tant pis. Mais ce que je comprends pas. C'est pas moi. Ce que je comprends pas. C'est pas moi, monsieur. Moi, ce que je comprends pas. Moi, je veux l'argent. Et je veux L'argent, je te le donne. L'argent, je le donne. L'argent, je te le donne. En revanche, je veux repartir avec un otage. Attends, je vais lui donner. Calmez-vous. Non, mais en fait, t'as pas compris. Tu fais quoi là? Ah putain. Ah j'ai eu peur. Par contre je vais repartir avec un otage. Si je ressors pas avec un otage, vous irez jamais à la banque. Bah les couilles. Je t'ai dit mille fois, c'est mes otages, c'est pas tes otages. Alors là, on les a amenés à la banque, on va faire sortir un otage à la banque, on va le laisser partir et on va rentrer avec un. D'accord? Tous leurs armes, ainsi que les patrouilleurs et le commissaire. Ils rangent bon, les gars, c'est la merde. Les mecs, ils veulent pas négocier. J'ai donné 1000 balles. Ils veulent rien faire du tout. Ils veulent pas m'en donner un. Ils veulent sortir avec les deux otages pour aller dans la banque. Donc là, ils veulent que vous baissiez tous leurs armes, sinon ils tuent les otages. Je veux tous les otages là-bas. Vous m'entendez? Faites évacuer la banque. Putain. Ah, je parlais dans le vide depuis tout à l'heure. Les gars, ils m'ont rendu la radio, j'ai dû leur donner 1000 euros. Ils veulent repartir avec les deux otages. Là-bas. Ah, vas-y, arrête de parler par contre, s'il te plaît, parce que là, je suis en train de parler dans la radio, alors en même temps, donc arrête de faire mal à la tête. Du coup, ils veulent descendre avec les deux otages dans la banque. Ils ont rien voulu négocier depuis tout à l'heure, je lâche pas l'affaire, mais ils veulent buter les otages, ils s'en battent les reins. Le mec, il m'a dit, ouais, je suis un terroriste, si tu veux pas me donner l'argent, il faut pas que j'aille à la banque, je descende les deux otages. Et genre là, il veut rien lâcher, tu vois, le mec, il veut vraiment rien lâcher. Et du coup, ils veulent que vous baissiez vos armes et que vous reculiez pour qu'ils puissent sortir. Ils veulent aller dans le coffre, c'est ça? Dans le coffre, ouais, avec les deux otages. Ils veulent pas, ils en lâchent un devant la banque. Ok, bah attends. Ouais, il y en a deux qui vont aller dans le coffre, ok? Je vais ouvrir. Deux. Vous allez, vous me suivez, vous avez le code du coup. Vous êtes sûr, les gars? Ouais, et il bon. Y a un agent qui ferme le. C'est bon, ils vont le faire normalement. Je suis devant la maison. Bon, les gars, voilà, moi je suis encore avec eux là, c'est deux tarés, hein. Je vous jure, ils ont rien dans la tête. Hein. Demande-leur de venir m'ouvrir. Ça va être facile. Dites à tous vos hommes de s'éloigner là-bas vers l'hangar.
Il demande à ce que vous vous éloignez des hangars. Une belle zone, zone claire. Avec... S'il voit quelqu'un avec une arme, on va tirer. Il tire. Ça va être clair. Allez vite, passe. Attendez, ils sont en train. C'est bon, le message est passé, ils sont en train de vider la rue là. Deux petites secondes. Ça va prendre un petit peu de. Enfin, deux petites secondes. Hey, une minute, pas plus. Une minute, pas plus. Voir là, va vers l'hangar. Il vers le hangar, vers l'hangar, il va là. Il veut que vous soyez vers le hangar, non armé. Par contre, monsieur, il me semble vous avoir dit que personne ne devait avoir d'armes. Mais je leur ai dit, personne ne doit avoir d'armes, vous devez pas avoir d'armes, les gars, vous devez pas avoir d'armes. Monsieur, mais ils ont pas l'air de respecter, monsieur. Enlevez vos armes, les gars, ils voient que vous avez des armes, enlevez-les, enlevez-les. Bah, regardez, ils sont ici avec nos armes. Il y a deux armes, il y a le deuxième agent du Chine. Monsieur, d'ici 5 minutes, monsieur. Attendez, monsieur. Attendez, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-les faire. J'ai pas un seul officier dehors avec une arme, monsieur. Là, il s'appelle un otage, pas de soucis. Ils vous ouvrent la il a. On descend. Ok, on descend. Ok, c'est bon, ils enlèvent leurs armes. C'est bon, ils ont enlevé leurs armes. Vous allez dans, dedans, vous bougez pas. Ils sont en train. Ah, oh, ils sont en train de vider. Ils sont en train de vider la banque pour vous là aussi. Alors, non, tranquille. C'est quand je vous dirai pas. Bah, on déroule nous. On descend là, on descend. Nicolas, ouvre la porte. Dès qu'ils rentrent, on les allume, c'est ça? Ils veulent. Attendez, non, parce qu'ils rentreront avec un otage et il y a le deuxième otage qui restera dehors. Pas de geste pour risque. Pas des moyens, tu vois pas des moyens, tu vois pas. Ok, on descend là. J'ai GIGN, tu me suis jusqu'à la banque. Le GIGN, alors là, ils pouvaient sortir. Et il y a un mec qui n'arrête pas de s'insulter. GIGN, toi, tu vas sortir. D'accord, tu vas sortir. C'est Valentin, c'est comme ça qu'il y a Jean-Bernard, il s'est mis en flic. Oh, il y a un mec qui est arrivé là devant l'appartement là. C'est qui? Si quelqu'un essaye de s'enfuir, il meurt. Attends, juste. C'est simple. Ok, très bien, pas de soucis. Il dit que si quelqu'un essaye de s'enfuir, il meurt. C'est qui le mec costard cravate là? On sait pas, il est là. On sait pas qui l'homme au casque à cravate n'est pas avec nous, hein. Il est pas avec nous. Je sais pas qui c'est. Et toi, tu putain, c'est tout mal géré là. Zach, je sors. Je sors. Je meurs, tu tues tout le monde. Il y a un mec qui a pas assez une seule de terre. Tiens, on va vos escrocs. Ah, le Jean Bernard sort le de là. Lui, il a rien à foutre là. Non, mais c'est une seule depuis tout à l'heure. Quentin. Et lui, on va rien faire. Il est comment l'otage, s'il te plaît? C'est les otages, ils sont bleus et orange. T'inquiète. Non, non, ils ont pas leurs armes, monsieur. Ils ont pas leurs armes, monsieur. Sortez pas vos armes, putain. Sortez pas vos armes. Ils ont pas leurs armes, monsieur. Ils n'ont pas d'armes. Un otage va venir avec moi jusqu'à la banque. Et là, tu prends le otage avec toi. Ils sont en train d'éloigner quelqu'un, justement. Mais ils ont pas d'armes. Il y a l'autre qu'on peut arrêter et c'est bon. Là, on rentre, on abat le preneur d'otage. Tu prends le feu ou pas? Bah, attends. Vas-y. Non, mais je parle. On en rentre ou pas? Y'a quoi? Y'a un mec et le tueur. Y'a un mec avec le Glock et l'autre il est là-bas. Les gars, d'abord. On l'arrête. On tue ou pas? On le tue, go. Y'a moyen. Les gars, laissez-le ouvrir la porte. C'est bon. On arrête. Allez-y, sortez. Je vous ai god. Sortez. T'es tout seul dans la banque, c'est bon. Il est tout seul dans la banque, le dernier est tout seul dans la banque. L'homme est abattu à l'intérieur. Bon. Ok, restez là. C'est bon, on l'a eu. Ok, restez là, on arrive. Ok, venez vous occuper des otages avec les otages. What, ça tire de ouf là? Ok, restez là, cachez-vous derrière moi, cachez-vous. C'est bon, j'ai tué le preneur d'otages et l'autre il s'est barré, je sais pas, il est mort. Il s'en est où avec l'autre? C'est bon, on a réussi. Ok, je suis avec les otages, je vous attends devant la maison, je suis avec les otages. Les gars, vous allez partir. Mission accomplie, les gars. Les deux sont morts, on a récupéré les otages et on a récupéré l'argent. Parfait. Ok. Vous avez vu la poupée? Vous la voyez? Ok. Mummy took good care of Charlotte. She tucked her in, hugged her, gave her cuddles and kisses. She was very affectionate and loving. Nothing bad happened to